Chigogeta LR, ça ferait plaisir. Un Vegeta. L'espoir est permis, tout est possible. Oh! Voilà! Oh, attendez, attendez, attendez! Rainbow! Blue! Un petit bleu qui tombe tout de suite d'entrée de jeu! Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On a donc le fameux portail de Goku et Vegeta SSJ4 qui est arrivé sur la version Jap. On est sur mon nouveau compte Jap du coup. Si t'as pas vu les invocations d'avant, frérot, n'hésite pas ici avec les LR garanties, etc. Malheureusement, on a eu deux fois Bojack, donc un peu déçu, mais on espère que justement ces invocations-là me donneront envie de reprendre la Jap, parce que les portails sont juste incroyables. Que ça soit n'importe lequel des deux, en fait, on a du Goku SSJ4 LR avec du Goku SSJ4 puis du Vegeto LR, du Goku multiforme, du Golden Freezer Ange, juste incroyable. Nous, on va invoquer sur celui-là, pourquoi? Parce qu'on a Gogeta Blue et qu'il y a le Gogeta LR dessus. Donc, on va pouvoir avoir une team du feu de Dieu, là. Et le compte, il vient de commencer. J'ai déjà un Gogeta 4 avec un doublon dessus, un Gotenks 3N, un Gogeta Int avec un doublon. Donc, il me faut vraiment ce petit Gogeta LR. Bien sûr, on ne dit pas non Vegeta. On veut le Vegeta aussi. Mais après, je vous dis la vérité, le petit C17 de Dragon Ball Super, pour le moment, c'est pas ce qui m'attire le plus, ni le Freezer, mais c'est des excellentes unités. Donc, on va invoquer tout de suite, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir. Et on commence avec la première multi. Donc, on va avoir des pièces aussi. Les pièces, en gros, il vous en faut 500 pour invoquer, pour acheter un LR au Baba Shop. Et on a un 500 sur bout. Donc Dokkan Fest, bon ça veut dire LR ou Dokkan Fest, mais là vu qu'il y a des Dokkan Fest, ça veut dire Dokkan Fest. Mais peut-être c'est un LR Dokkan Fest, on sait pas. Enfin c'est un détecteur, ouais, bon bref. Qui va tomber? Imaginez, il y a le Vegeta qui tombe direct d'emblée là. Freezer, ok, bon, très bon perso. Très très bon perso le Freezer, c'est pas celui qu'on visait ici comme par hasard. Mais excellent perso pour un nouveau coup. Je sais pas si j'ai de quoi faire une team extrême, je ne pense pas. Mais très très bon perso néanmoins. Ok, donc première Muchi. Est-ce qu'on va en avoir un deuxième? On va avoir un Vegeta Gori. Bon, un Vegeta Gori, qu'est-ce que je raconte? Un Raditz. Ah oui, d'accord, magnifique. Ah, ce bug du... Ah, mon ordi, les gars, il est en train de rendre l'âme. Mon ordi s'est cassé. Il est dans le détecteur, lui? Je sais plus, je sais qu'il a eu son Dokkan récemment. Non, il est... S'il est dans le détecteur, je crois. Ah, je sais plus. Bon, ok, première multi, 3 SSR quand même. Donc, un très très bon, ça fait plaisir. Mais c'est pas celui qu'on voulait, bien sûr. On va relancer. Donc, franchement, je veux un petit Gogeta LR. Ça me ferait plaisir. Un Vegeta. L'espoir est permis, tout est possible. Oh! Voilà! Oh, attendez, attendez, attendez! Rainbow! Boum! Un petit bleu qui tombe tout de suite d'entrée de jeu! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Enfin, avec lequel? Les deux, je suis content! Les deux, je suis archi heureux si j'ai un des deux. Enfin, je suis déjà heureux en fait! C'est bon, j'ai gagné! Ouais, vas-y, toi, on s'emballe les steaks, vas-y, t'ose! Le petit Gogeta qui tombe! La tube! Oh là là, la team que je vais avoir! Je vais avoir une team fusion de malade mental. Oh là 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 là. Bon, il est bien parti ce Skondjap. Skondjap, il est bien parti. Ça pardonne le double Bojack LR de la dernière fois. Oh là là, le petit Gogeta LR sur le Skondjap. Oh là 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 là, j'ai une team. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bon, un petit Vegeta peut-être en plus. Ça serait trop demandé ou pas? Bon, je pense là, ouais, c'est un peu abusé. Oh, un petit Goku Agi qui a un excellent perso. Et bien sûr, vu que c'est un compte qui est assez neuf, je l'avais pas, donc très content du SSR hors détecteur aussi. Et on a eu le beau gosse, le Gogeta. Oh là là, je vais vous montrer après la team que j'ai. C'est un truc de Barjo. C'est un truc de Barjo. Le compte, il est... il a un mois même pas, j'ai presque pas joué dessus, il a déjà des trucs de malade. Donc... bah écoutez, on va finir le cycle hein. On va finir le cycle, peut-être un Vegeta qui tombe, on sait pas. Hein? Hein, Vegeta, tu veux tomber ou pas? Oh, oh là là, bon. Perso du détecteur. Perso du détecteur.
SSJ 3. Pas de SSJ God. Pas de SSJ God, mais ça annonce du lourd déjà. Waouh, frérot, vas-y, je te kiffe, mais. T'es un bâtard. La tête de moi, t'es un bâtard. Freezer, c'est un bâtard. C'est un bâtard, Freezer. C'est un bâtard. Bon, je vais pas me plaindre, Diego Jota, c'est un excellent doublon, mais vu que le compte il est assez récent, j'aurais bien surpris. Ah, mais je crois que c'est le compte des doublons en fait. Hein. Genre, le compte, j'ai depuis pas longtemps. J'ai déjà genre 4 doublons dessus. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est le compte des doublons. Bon, lui, Toze. Lui, Toze. Bon, bah écoutez, la multi gratuite. La multi gratuite. Bon, en soi. Ouh, un détecteur encore. Bon. Un petit Walida en plus. Bon. Ouais, le. Si je fais des invocations sur Goku et j'ai le Golden Freezer, ça va être assez énervant en vrai. Parce que j'ai Bojack plus un. Bojack doublon plus Freezer doublon. Donc la team ressuscita peut être assez incroyable. On va voir qui ici. Imagine, il y a le Vegeta. Imaginez un troisième Freezer. Oh, petit Vegeta Blue Evolution. Petit Vegeta Blue Evolution, c'est cool aussi. Donc très content. Très content. Très content pour ce petit Vegeta Blue. Oh là là, le compte. Compte assez vénère. Hein. Compte assez vénère, on va aller le voir ensemble. Compte assez vénère. On va aller voir tout de suite. Je crois que j'ai dû user 600 DS de 700 DS. Enfin, je sais plus exactement le nom, mais un truc comme ça. Oh, il est assez vénère le compte. Hein. Oh, je peux vous dire qu'il est vénère. Hein. Oh là là là, il est vénère le compte. Hein. On a dû. Oh là là. Oh, ça va être lourd. Ça va être vraiment, vraiment lourd. Faut vraiment que je pack sur le Goku en vrai. Hein, parce que j'ai le Goku. J'ai le Goku Tech. J'ai le. Ah non, quoique, il n'y a que le Goku en fait. Il n'y a que le Goku Tech. Mais. Il est énervé le compte, hein. Vraiment, vraiment énervé. Hein. Il est vraiment énervé pour le moment. Ça serait dommage de gâcher ça. Et on va compléter la team fusion. Regardez là, cette team là. Regardez-moi ça. On va la compléter. On va virer le Goku SSJ 3. Et on va mettre les LR à la place. Oh là 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 là. Pff. Oh là 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 là, la team fusion métamol de Barjo. La team de ouf. Virus hors détecteur en plus, c'est juste. C'est juste trop bien en fait pour partir en spé avec les LR. Donc un doublon sur Gogeta Int et un doublon sur Gogeta 4. C'est assez énervé. Ça va être juste incroyable. Je crois qu'on va commencer à le farmer ce compte à un moment ou à un autre. Donc voilà pour cette petite vidéo, les frérots. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de farmer pour faire un 6 sur Goku. On verra bien. Je vous fais plein de bisous, je vous fais beaucoup de likes pour vos invocations. Les mains ont été assez incroyables, même si j'ai eu un petit doublon de Freezer. Mais c'est quand même très très bon. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis à la prochaine. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas. Le lien du YouTube est dans la description. T'attaques le petit don gratuit en regardant une pub, ça fait plaisir. Et puis voilà, plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao les frérots. Bon, peut-être un petit bonus que je mettrai en vidéo, on verra. On va faire les petites invocations tickets. On est en live sur YouTube là, avec les frérots. On va invoquer sur les SSJ4 tout de suite. Donc je pense ça que je mettrai à la fin de la vidéo des SSJ4. On verra si on a du lourd ou pas. Je crois qu'il y a les LR sur ces tickets. Hein. Ouais, il y a moyen d'avoir un LR. Il y a grave moyen. C'est perso du détecteur ça. Ok, petite single. Donc on est sur mon compte Diap les frérots. Pour ceux qui sont pas vus la vidéo d'invocation juste avant et juste ici. On a plein de trucs fous dessus. Oh, le troll d'entrée de jeu. Ah, le troll d'entrée de jeu. Donc, n'hésitez pas à bombarder les likes pour envoyer d'Alex, ça ferait plaisir. On commence avec une Ribrian. Ah, on commence fort, les gars. On commence très, très fort. Bon, Yamcha Goten, là, ça va pas mettre... va pas y avoir de truc de ouf. Je pense pas qu'il y aura un miracle. Et c'est Jien. Salut à tous les frérots sur le chat. On a eu le Goku, le premier Goku qu'on peut avoir sur la première invocation dans le jeu. Vous inquiétez pas les frérots, les invocations sur les CJK, j'ai fait juste après celle-ci. C'est pour attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive sur le stream. Oh, y'a... Bon.
Bon là ça pue un peu, ça pue un peu, mais je préfère que ça soit les tickets qui soient foirés. Excellent le trunk SR, d'ailleurs c'est un SR qui a des dégâts colossaux et qui a un très beau boost d'attaque et de défense de 30% pour le type super. Et donc j'ai hâte qu'il ait un Dokkan. Ok bon. Après c'est une multi à 5 tickets. On est dans les taux, hein. On a fait une single avant, on a eu un SSR. Il doit être autour de 10% ce portail comme. Bon là par contre c'est un peu plus problématique. Si on commence à rien avoir du tout là ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais wesh le porto sauvage, wesh moi d'elle, ça va ou quoi? Ouais, ouais, ah ouais, je suis trop fort là, je parle trop fort les gars. Est-ce que je parle trop fort? Parce que j'avais l'habitude avant que de parler fort parce que le son n'était pas pareil, mais c'est vrai que c'est pas pareil là. Je suis dans une autre pièce et j'avais l'habitude avant de parler fort. Donc on va baisser un peu le volume. du coup on n'a pas eu grand chose là. On s'est fait un peu chier dessus hein, sur ces tickets là. Sur ces tickets là. Oh là. Oh là 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 là. Bon on a un petit SSJ2, ça va pas être fou. Ça va pas être fou. Pourquoi pas? Pourquoi pas après Ouais non pourquoi pas, c'est une très bonne unité, il a des très bons liens pour commencer, c'est plutôt une pas mal unité. Ouais. Elle rentre dans pas mal de teams avec ses liens. Donc pourquoi pas. Ok, je prends aussi. Bon, les tickets, c'est pas fameux.